même temps être extrêmement connecté à tout cela par le travail. En 1994, après avoir terminé. Pour moi, du coup, c'est un travail vraiment important parce que c'est la continuité sur mon regard sur l'adolescence. Et je peux, on m'a donné les moyens de mettre des photos dans un endroit vraiment formidable qui se font avec mes images. J'ai pu travailler la taille des tirages, j'ai pu travailler l'éclairage, tout ça avec la commissaire de l'expo, Marine, avec Bénédicte qui m'a fait venir, à Camille qui m'a. Voilà, enfin, ça a été dit, mais c'est important parce que c'est une expo dont je suis très très fier. J'ai fait ce film dans la continuité d'une série sur les adolescents parce que j'avais déjà travaillé avec des ados voilà, sur trois films courts pour des expositions. Et en fait, je suis venue ici parce que l'attaché culturel de Beyrouth, Bénédicte Vignier, m'a invité en fait, à faire un peu la même chose ici. Moi, je ne connaissais pas le Liban. J'ai vu l'occasion unique de venir faire un film ici en fait et de continuer finalement mon enquête sur les ados voilà, qui se poursuit à travers différentes régions du monde ou de la France. Donc c'est toujours une nouvelle aventure en fait de faire un projet artistique et particulièrement dans un pays qu'on ne connaît pas. Voilà, dans un contexte qu'on découvre en tout cas pour de vrai quand on le connaît de loin et à travers la presse, la littérature, le cinéma, etc. Donc voilà, c'est comme ça que le projet s'est fait et moi je fonctionne beaucoup comme ça en fait, avec des propositions. Et quelquefois c'est moi qui ai les idées de faire des choses, mais souvent on m'invite à en faire. Et quand c'est ce genre d'invitation, je l'accepte volontiers. En fait, c'est un travail plus long que je réalise sur l'adolescence. Pas vraiment précis, mais voilà, j'ai deux enfants adolescents et c'est une période qui m'intéresse. Donc, j'ai travaillé en France, dans différentes villes. Sur des adolescents, j'ai fait leur portrait. Et il y a une connexion du coup qui s'est faite avec l'Institut français qui a vu mon travail sur les adolescents et qui voulait travailler sur l'adolescence. Donc ils m'ont invité à venir travailler sur les adolescents au Liban. Tout simplement, c'était vraiment un travail de commande, mais avec une carte blanche. Donc j'ai continué à travailler de la même manière que je fais d'habitude. Et je suis parti à la rencontre d'un pays que je ne connaissais absolument pas. C'était la première fois que je venais au Liban. J'avais juste les échos de l'actualité, évidemment du pays. J'ai une amie libanaise qui discute. Et donc je suis plongé dans ce travail-là avec un grand plaisir, une grande curiosité. J'ai été extrêmement surpris par la gentillesse des gens que j'ai rencontrés. C'est marrant parce qu'avant d'aller dans un pays, on se fait des représentations qui ne correspondent jamais à la réalité quand on est sur place. Mais ce que je dis dans le film, ce qui m'a marqué le plus, je crois, c'est la circulation en fait. Le fait, parce que moi j'ai pas de voiture en France par exemple, donc voilà, le fait de me rendre compte que finalement tout se fait principalement en voiture ici et le fait qu'on ait beaucoup tourné dans différentes régions. Fait que j'ai découvert le pays par la route, par exemple. Et en voyant voilà, les régions de cette manière-là. Je dirais que ça, c'est ce qui m'a beaucoup marqué parce qu'on a énormément sillonné le pays pour aller d'un collège à l'autre pour filmer.